Et bonjour à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercorn. Et ben, c'est pour le bilan du Road to Glory et du RTG Solo. Du RTG Solo et du RTG par équipe. Donc, dans le RTG Solo, j'ai eu Rousseff. J'ai cherché Rousseff Titan, Event Pro, Event. Donc voilà ma gestion de mon deck. Après j'ai eu en Shetan Benjamin Titan. Donc en RTG par équipe on est allé jusqu'à la C17 LAS. Malheureusement puisque la titan de l'event c'était Asuka qui pourrait passer pour moi, mais malheureusement l'équipe n'a pas été assez actif pour aller chercher malheureusement. Bon, pour moi, bah, elle est partie en... Bon, elle est partie, hein, Asuka. Ne t'inquiète pas, Asuka. Je dois y un jour, Asuka Titan Pro. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Donc, voilà, on est sur mon deck, on a joué notre Andrade, des Senan Master Titan Event Pro. Gober Titan Event Pro. Stone Cold Steve Austin Titan Event Pro. Undertaker Titan Event Pro. Eh ouais, j'ai mis Undertaker. Braun Strowman Colonel. Monstrueux Pro. Kevin Owens Monstrueux Pro. Triple H Monstrueux Pro. Jinder Mahal Monstrueux Pro. On dirait que je change les images. T'inquiète, bon, être. C'est ma somnité, t'as dit, hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Samoa Joe Monstrueux Pro. J'aime pas les images. On va mettre l'ultime. L'ultime est mieux, je pense. Ouais. Kurt Angle, monstrueux pro. The Miz, monstrueux pro. The Andrews Giant, monstrueux pro. Dean Ambrose, monstrueux pro. Bon, je vois l'image. On va dire légendaire, tiens. Ouais, légendaire est mieux, je pense. De Roman Reigns, monstrueux pro. Hop, on change l'image aussi. Les piques, ils passent bien, non? Ouais, ils passent bien. Roy Roy Piper, monstrueux pro. Et Lugueuse, monstrueux pro. Donc, les autres monstrueux pro, ils sont partis bah, en amélioration. Alors, Asuka Titan Pro. Asuka Titan Titanesque, je veux dire. Après Rusev. Avec tous ces matchs. Il a presque pris pour une pro, Rusev Titan Event, The Rock Titanesque, Stone Cold Steve Austin Titan, Kevin Owens Titan, Shawn Michaels Titan, Seth Rollins Titan, Eddie Guerrero Titan, American Dream Justin Rose Titan, Biggie Titan, Jericho Titan, que j'ai pioché récemment, Drew McIntyre Titan, Esther Black Titan, Cesaro Titan, dans le champ d'image. On va savoir ce mi-set, il me comme ça. Sheamus Titan, Kane Titan, Shadow Major Titan, Naomi Titan, Kalisto Titan, Bailey Titan, Tyrese Titan, Luke Gallows Titan, et Carmella Titan. J'avais pas mal de temps dans mon deck d'équipe. Ensuite, AJ Styles, monstrueux. Seth Rollins en titan, monstrueux. Jinder Mahal, monstrueux que je... Ah oui, c'est vrai. Je vais rentraîner, mais bon, il servira à rien de toute façon. Je vais enlever, ne vous inquiétez pas. Macho Man, Randy Savage, monstrueux. Alex Abyss, monstrueux. Shizuke Nakamura, monstrueux. Ah, il faut que je change la photo avec Sébis, parce que... Et que... Parce qu'il y a un petit fond noir, on va être à Summer 2007, et il me passe mieux comme ça. Ouais. Alors, Shizuke Nakamura, monstrueux. Kofi Kingston, monstrueux. Jimmy Uso, monstrueux. Biggie, monstrueux. Becky Lynch, monstrueux. Finn Balor, monstrueux. Sami Zayn, monstrueux. Sasha Banks, monstrueux.
Ajax monstrueux, Bray Wyatt monstrueux, Carmella monstrueux, Aisha Fox monstrueux, Tamina monstrueux, Lana monstrueux, et Big Show monstrueux que j'ai eu dans un pack en PVP. Lorsque je m'avais commencé que je l'ai eu, il y a aussi Dean Ambrose bestial et un IC17. Après les autres cartes, bon, on s'en fiche, c'est pas. On s'en fiche, on s'en fiche. Donc les gens de l'équipe de Self High 5 que je vais quitter juste après l'event, juste après le TBG parce qu'on n'a pas eu Asuka. J'aurais dit que je pouvais prendre Asuka, mais ils vont pas goûter, donc je vais quitter l'équipe. Puisque je ne sais rien. Bon, certes, on a gagné 2 TBG, mais bon, c'est pas suffisant de gagner TBG aussi, les events par équipe, faut y penser un peu, hein. Il n'y a pas que TBG dans la vie, aussi les events par équipe pour le faire. Donc, voilà. Donc, il y a aussi Elimination Chamber. Alors, les 15 momentum, j'en ai 5 maintenant. Je vais essayer de les conserver. Ou peut-être d'en perdre moins un ou deux. Mais bon, on va voir ce que ça donnera. Alors, tac. D'ailleurs, récompenses, ils sont pas utilisés, non? Ouais, dans ma team, là. Donc, il y a toujours Bobby Roode, Rusev, Braun Strowman, Roman Reigns, Brock Lesnar. Les packs et d'autres cartes, c'est toujours le même. Ok. Alors, donc, au mois de mars, ça va être mouvementé parce qu'on va avoir les. Oula. Parce qu'on va avoir les fusions, une nouvelle fusion, un nouveau Hall of Fame, une nouvelle carte Hall of Fame, une nouvelle. Carte nostalgie. Donc voilà, on gagne toujours Asuka. Donc les récompenses s'actualisent en 1 jour et 9 heures. Donc, je vais faire pas mal d'accès en mini the bank pour la prochaine carte, je pense. Moi, je vais faire des accès en mini the bank pour la prochaine carte qui est une Mission Chamber. Avec Roman Reigns avec Sami, je pense. Ou peut-être d'autres cas, je ne sais pas. On verra. Donc là, on va attaquer en TBG. On va attaquer contre celui-là. Donc celui-là, il a deux Ziggler Titans. Et dans le cas, ils n'ont pas tous s'améliorer. Donc avec mon deck. Donc ouais, mon deck est full max. Donc je pense qu'on peut tenter de le battre. Hein. Celui-là, on peut tenter de le battre. On va essayer de l'avoir. Ne pas faire erreur. Allez, c'est parti. Alors, puissance avec ce bis. Ok, sachez bien que je gagne, parfait. Alors ensuite, qu'est-ce que bah oui, Asuka. Donc là, je gagne, parfait. Donc là, à coup sûr, je gagne 2-1. Être qui on va être un autre, je gagne des Shizuken avec un Moolah. On gagne, c'est parfait. Hop. Parfait. Avec son mode sauvage, ça c'est fait. En gros, de rechercher aussi un pack à 10 tickets, bien entendu. Hop. Ah, je n'ai pas rencontré le jour où j'ai pioché masse de cartes de saison 4. Alors, il y a 2 jours, j'ai pioché Chris Jericho Titan. Des deux améliorations en Titan. Une vitesse et une puissance en Titan que j'ai mis en Andrade et Cinemas. Ouais, désolé, c'est du chat qui. Rien, ça. Bref, alors, tac, tac. Alors, ouais, parce que qui va encore faire menace, parfait. Hop. Être Triple H et le Shino Kanek à moi. Hop, parfait, on gagne 3-0, c'est parfait. Alors, tac. On a un TBG monstrueux, hein, qu'on est en train de faire. C'est pas un titanesque, parce que, bon,
Le mec qui a lancé un TBG, il a pas su prendre compte qu'on était en monstrueux plus-plus. Bon, du coup, bah, on commence à avoir de monstrueux plus-plus, hein. Voilà, pas d'autre choix, hein. Voilà. Une monstrueuse, une deux spéciales sur la 77 et bestiale, bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, si j'ai une peau, ça fait de... Si j'ai une peau, bah, ça vaut plus quoi. Allez, hop. Bon, peut-être Reggie Styles, Kofi Kingston, Jimmy Uso, parce que j'ai encore pas mal de cartes à passer pro. J'ai pas envie de les jeter pour le moment. À part si j'ai une carte intéressante que je veux passer pro. On verra, on verra. Bref, hein, donc Dozy, on met pas forcément. Avec Sabis. Alors, tac, Shizuke Nakamura. Et mince. Pourquoi t'as pris Shizuke Nakamura, Fabien? Pourquoi t'as pris Shizuke Nakamura? Alors que t'avais tant de triple H monstrueux. C'est pas bien, Fabien. Fais attention à ce que tu fais. Oh. Pas possible. Ah, des bêtises, des bêtises. Bref. J'ai complètement oublié que j'avais aussi mon truc que je pouvais jouer. Bon, c'est pas grave. C'est vrai, tout le monde fait des erreurs, mais bon. Voilà. Alors, tac. Alors, parce que j'ai choisi aussi, c'est Braun Strowman monstrueux que j'ai passé pro. Après, j'ai pioché The Miz monstrueux qui est passé pro aussi. Et après, j'ai pioché Kian Dane monstrueux. Bon, là, après, bah, si je suis à commencer CBG. On a gagné, ouais, on a gagné 2-2, on a gagné, j'ai eu Kevin Owens monstrueux que je fais passer pro, avec le bonus de pas connexion de 25 jours, que j'ai eu Kevin Owens monstrueux, bon, mais bon, j'ai eu la flemme de le faire une deuxième fois parce que c'est des chiants, c'est chiant. Alors, on va attaquer, pas toi, non? Ouais, si on va attaquer, tais-toi, allez, hop, on y va. Hop. Ouf. On va peut-être piocher une titanesque dans cette vidéo, on ne sait pas. On va peut-être piocher une titanesque. On va voir, hop. On ramène pas une monstre féminin qui pourrait passer pro, c'est intéressant. Pour mon deck en RTG. Même en King of the Ring, c'est intéressant. Et Triple H. Parfait. Ok, alors on va être un Giant. Parfait. Pam 3-0, c'est bon. Ok. Ah, bah, après TBG, je vais créer ma propre équipe titanesque, qui est ma toute première équipe titan. La toute équipe du temps active active. J'espère qu'il sera actif parce que si c'est pas actif, bah, j'en vivrai certains pour en prendre d'autres. Hein. Mais il faut que je trouve les titanesques, les joueurs titans actifs qui sont minimum niveau titan. Pas monstrueux, ni bestial, je prends plus de bestial ni monstrueux. Je prends que les titans, c'est tout. Alors, tac, qu'est-ce que. Ah oui, rechercher, c'est quoi rechercher? Champion, ok. Alors, rechercher Russian Champion. Alors, Russian Champion. Alors, oula, d'accord, c'est monstrueux. Donc là, trois monstrueux plus, une BCA plus. Une monstrueuse, deux autres monstres plus, une autre, et deux autres monstres, et deux autres bestia plus. En détective, sont monstrueux, bientôt monstre plus. Ok. Pourquoi pas. Moi, quand tu vas attaquer, les amis, hop. Et qui, 11h25, ouf.
Je sais pas si. Non, je pense qu'on va pas tant faire de Mission Chamber, mais heureusement. Je ferai en prochaine vidéo. Il sortira cet après-midi. Donc c'est déjà désolé, désolé pour la petite interruption. Mais bon, c'est bon. Hop. Alors, Triple H. André Giant. On va mettre les truqués. Brock Lesnar. Et on continue, hop. Tac. Hop. Ok, puis on peut s'attendre pour commencer à badiner. Hop. Ça va, ça va. Puis on peut s'en attendre 3. Alors, tac, 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 tac. What? Oula. Hop, on y attaque le plus 109. Alors, André Giant, qui est. Alors, Triple H, qui est. Chizuka Nakamura. Ouais, c'est bon, on gagne, parfait. Hop, et voilà, parfait. Hop. Donc comme vous voyez dans ma barre, tout en haut à gauche, j'ai bientôt monstre puce-puce et je vis juste que j'ai une monstre féminin pro dans mon deck, tout simplement. Hop. Pour que je passe titan puce-puce et que j'ai beaucoup plus de chances de piocher une titan. Ben quasiment ben, une journée en je pense une journée ben un titan tous les jours un titan ouais tous les jours un titan ben, c'est-à-dire que demain je serai un titan ben, si jamais j'en ai pas de titan si jamais je peux pas de titan demain ben, je serai peut-être après-demain on verra alors tac Triple H. Hop, chez Kanekamura, on gagne, parfait. Hop. h 30, ok. Bon, je pense que je vais pas faire une vidéo de. On va faire juste les attaques TBG pour un Satrala. Je vous ferai une vidéo cet après-midi pour. Le mode Elimination Chamber masculin féminin. Est-ce que t'es tout chargé? Ou on ne sait pas. Ouais, on attaque, on attaque, on attaque. C'est parti, on attaque, on attaque, on attaque. Soyons fous, on attaque. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il y a comme carte. Attention, est-ce qu'il a chargé toutes ses cartes ou pas? Ok, il s'est mis, c'est Asuka. Attention. Ouh, oui, bon, il a choisi son chef Fox au max, mais pas son Billy Kay. Ok. Triple H. Ok, André Giant. Là, je gagne, parfait.
Andrew Giant. Ok, Kian Day, je gagne aussi, parfait. Ça va. Bon, mais si j'ai un peu peur, ça va, je gagne quand même. C'est très très bien. Ok. 3-0, c'est très très bien. Alors, tac. Alors, puissant 9, c'est parti. Bon, que logiquement, on devrait gagner ce TBG parce que l'ange contre une... entre équipe monstre. Non. On joue contre l'équipe monstrueuse qui n'est pas assez actif pour une TBG. Donc logiquement, on devrait gagner, je pense. En puissance, on va être Triple H. Je gagne, parfait. Ouf. De très très peu, mais je gagne vitesse. Je gagne aussi, parfait, bien joué Under the Giant. Qui est plus fort que Kien Deng. Ensuite, Kizuka Nakamura, je gagne, parfait. Entre Rich Swan, c'était très bien, 3-0. Excellent. Tac. Hop, on continue. Puissant 9, c'est parfait. Voilà, on réattaque, c'est parti. On contrôle d'attaque, on a fait la vidéo. Triple H et Andre the Giant. Je gagne, hop. Ok, alors il se bisse. Ouais, je perds, bon, ça va faire 2-1. C'est pas grave, Asuka. Puissant 9. Encore deux attaques à faire contre cet adversaire. C'est parti. Et c'est mis, c'est Asuka. Triple H. Ok, je viens de parfait. Et Andre the Giant. Ah, là je perds forcément. Ouais. Kian Dane. Bon, c'est pas grave, ça fait 2-1. Je gagne. Ok. Hop, encore dernière attaque et on se retrouve pour cette vidéo. Hop, avec ce bis. Ok, hop, ouais, c'est là, yes, pense, je gagne, hop, parfait. Hop. Ok, 0 contre WrestleMania et Seth Rollins.
Et ouais les amis, on va s'arrêter pour cette vidéo sur WWE SmackDown. Si cette vidéo là vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouce bleu de commentaires et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite de se passer une très très bonne journée et à la prochaine.